l'INOV a 10 ans en 2022. Et depuis 10 ans, la force de ce projet repose d'abord sur l'engagement, l'initiative et l'engagement de l'État et de la région depuis 10 ans qui nous soutiennent dans cette collaboration. Écofort, ça veut dire écouter, comprendre, former. C'est une association qui est basée à Dole. Quelle est votre mission, quelle est votre vocation? Écofort est une école de production. Et les écoles de production ont cette particularité que ce sont des lycées techniques privés hors contrat qui sont à la fois une école et une entreprise et qui préparent des jeunes à un métier, qui les forment au CAP en travaillant pour des vrais clients en situation. Depuis 10 ans, nous avons accueilli plus d'une centaine de jeunes. Nous avons un cahier des charges et dans les critères du cahier des charges, c'est 2/3 de formation en atelier et 1/3 en cours théoriques. Et les cours théoriques sont basés à partir de ce que les jeunes vivent à l'atelier pour que ce qu'ils apprennent, ils puissent l'investir et le réinvestir et que cela fasse sens pour eux. Ça veut dire que dans notre échelle de valeur, dans l'école, il n'y a pas de notes. Il y a simplement des compétences à acquérir que l'on a acquises ou non. Pourquoi est-ce qu'une entreprise de maroquinerie a créé sa propre école ? Parce que, à l'époque, on a nos clients qui avaient déjà une forte demande en recrutement. Et hormis les filières de formation, on va dire, comme le lycée des Huisselets, enfin les filières destinées plutôt aux jeunes, on n'avait pas la possibilité de recruter autrement et de former autrement nos nouveaux collaborateurs. Donc en 2011, on avait déjà l'optique d'embaucher jusqu'à 100-150 personnes par an pendant 5 ans. Donc ces personnes-là, il fallait les former. D'où l'idée de créer cette école. Donc à l'époque, on avait juste une structure sur le site d'Avoudré. Et depuis 2015, l'entreprise s'est bien développée. On a ouvert 3 sites supplémentaires. Et on va dire, quand on parle de qu'est-ce qu'ils sont devenus, notre école, en fait, elle est implantée sur chaque site aujourd'hui. Les enseignants, les intervenants ou enseignants, je ne sais pas comment vous les appelez, ce sont des gens de l'entreprise ou des gens externes ? Ce sont des gens de l'entreprise qui ont été formés à la formation. Mmh. Hein. On a des gens qui sont arrivés en externe, mais qui étaient déjà initiés à la maroquinerie. Et voilà, ces gens-là, on va dire, puisqu'en 2011, on n'avait pas de formateurs, on a rencontré quelques collaborateurs qui avaient cette appétence, qui voulaient transmettre. Mmh. Et ces gens-là, on les a accompagnés pour les monter en compétences, pour qu'ils deviennent formateurs. En 2014, quand le projet a été initié, qui était un projet de covoiturage pour lequel l'entreprise a été récompensée, la problématique était déjà celle dont on a parlé à l'instant, une question d'attractivité et de difficulté, tout simplement, de recrutement. Et donc, l'idée a émergé de mettre en place un système de covoiturage, qui est un système qui existe toujours. Donc nous mettons à disposition à nos collaborateurs un bus, tout simplement. Et ils prennent ce bus tous les jours, ils font le trajet domicile, lieu de travail, et l'entreprise prend en charge le coût du véhicule. L'entreprise a travaillé donc sur plusieurs projets en matière de qualité de vie au travail. En tout cas pour les salariés qui sont en horaire de journée, on leur offre la possibilité d'avoir des horaires flexibles et un choix d'horaire qui leur permet de faire des semaines soit de 4 jours et demi, soit de 4 jours tous les 15 jours. Donc nous proposons des réservations de places en crèche à nos collaborateurs et nous finançons une partie aussi de leurs frais de garde. Nos collaborateurs qui partent en retraite, la dernière année avant de partir en retraite, ils travaillent 4 jours par semaine, ils sont à 80%, nous les payons à temps plein, ce qui nous permet de maîtriser un peu mieux nos départs en retraite, de mieux anticiper nos plans de succession et la suite pour remplacer nos collaborateurs. L'évolution psychologique, on va dire, sociale et l'implication des jeunes vis-à-vis de la société, depuis 10 ans, elle a encore évolué. Et on se rend compte qu'on peut parler d'adaptabilité, on peut parler de formation, on peut parler de comment un jeune rentre et prend sa place dans la société d'aujourd'hui. C'est compliqué. Et la crise du Covid, quand même, elle a fait mal à beaucoup de jeunes adolescents. Et on va mettre un certain nombre d'années avant de s'en remettre, et surtout eux. Beaucoup de gens, aujourd'hui, recherchent du sens à ce qu'ils ont à faire quelque chose qui a du sens au quotidien. On sent de plus en plus de collaborateurs qui s'interrogent effectivement sur le sens de leur mission dans l'entreprise. L'idée, c'est surtout de donner du sens à l'avenir. On est dans des métiers, moi pour mon site, qui concerne le secteur de l'automobile en particulier, donc de donner du sens à l'avenir vis-à-vis des produits qui seront fabriqués, vis-à-vis des compétences dont on aura besoin à l'avenir et que nos salariés puissent se projeter et s'investir dans ces nouveaux projets d'entreprise. Euh,
de par mes parents, de par mes proches, mes amis, j'étais confronté au handicap et aux difficultés d'avoir des loisirs. On fait de la location effectivement sur la base de loisirs de la Savoureuse à Brognard, de nos tricycles un peu particuliers que vous avez vu sur le film, mais également nous sommes sollicités sur des établissements qui sont dans une périphérie, on va dire quotidienne, de 2 heures autour du pays de Montbéliard, et puis parfois bien au-delà, dans des régions de la France qui sont très éloignées, parce qu'on est un petit peu les seuls à faire ce genre d'activité. Nos salariés sont potentiellement porteurs d'innovation, voilà, parce qu'ils sont attentifs aux conditions de prise en charge des patients, des résidents, voilà, et de manière assez naturelle, ils veulent améliorer les choses. C'est une compétence qui est extraordinairement rare dans notre système, hein, de ce type de patients. Voilà, et perdre une salariée comme Élise, ce serait dans notre territoire une perte de qualification qui serait dommageable pour la population. L'enjeu pour les structures de santé, c'est d'abord de conserver leurs salariés et de conserver la motivation de ces salariés. Mais la vocation, c'est de faire glisser ces innovations vers le champ médico-social, et en particulier les personnes âgées, hein, où là, l'enjeu de santé publique, il est très très clairement là. Et donc, où on perçoit bien que le recours à ce que la technique permet est en deçà. Aujourd'hui, on constate un retard. Et donc, nous, un acteur comme nous, qui sommes présents sur plusieurs segments, hein, et les segments parlent rarement ensemble. Mais nous, on a la possibilité de faire parler le segment personnes âgées avec le segment personnes en situation de handicap, avec le champ de la santé. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on a envie que ce jeu soit fait? On fait un jeu comment? Voilà, on est parti de rien. Et on s'est fait aider vraiment de tous les collègues, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes. Ça a été un travail d'équipe pour réussir à arriver à ce jeu-là au final. Il s'agit en fait d'une relation basée sur l'échange mutuel et la confiance partagée entre deux individus. L'un le plus expérimenté, le mentor, et l'autre en quête d'évolution, le mentoré. Différents sujets ont pu être abordés par les mentors et les mentorés, comme par exemple le management, la gouvernance participative, l'accompagnement du changement, la qualité de vie au travail, etc. Au début, ben, on s'observe, on essaie de bien sentir. Et effectivement, Patrice, c'est important de le dire, on doit être bienveillant, on doit se mettre à la place, on doit apporter peut-être des conseils qui permettent effectivement de construire le projet. Mais surtout, c'est de l'écoute. C'est de l'écoute, de la reformulation, avoir une valeur ajoutée par rapport aux attentes du mentoré. C'est surtout de la sensibilisation pour effectivement donner envie aux gens, avec effectivement déjà ce qu'ils font au quotidien, mais leur faire toucher du doigt, parce que effectivement souvent on le fait naturellement et on s'aperçoit pas qu'effectivement on rentre dans un système vertueux, et puis aussi de leur montrer comment on peut progresser avec une analyse environnementale. Alors moi, l'idée, c'était de réunir dans un seul et même pôle 2 services culturels, donc la salle de spectacle, le réservoir et une bibliothèque, avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques. Et donc, comment faire pour donner du sens, pour créer du lien, et d'une façon le plus horizontale possible, en responsabilisant les personnes. Je pouvais l'accompagner avec un parallèle qui a été fait. C'est vrai qu'on peut se dire EHPAD, fonction publique territoriale, on est un petit peu éloigné au niveau des fonctions, mais c'est vrai qu'on gère de l'humain. On est encore sur ces... Vous vous êtes trouvé des points communs, en fait. Exactement. C'était ça le premier enjeu, j'allais dire, de votre prise de contact. Effectivement, et la méthode des petits pas, ce qui est intéressant, c'est de rien lâcher. Chaque mois, Alexandre me redemandait si ce qu'on avait imaginé le mois d'avant, les petits pas, la petite technique, la petite idée, elle était réellement mise en place. Et si non, pourquoi? Et quand oui, eh ben, on l'a commenté, on l'a discuté, et on voyait si ça avait marché ou pas. Le trait caractéristique de notre époque, ce n'est pas que tout change. Les Grecs le disaient déjà. Hein. Pantarei, écrivait Héraclite, tout change, tout s'écoule. Non, le trait caractéristique de notre époque, ce n'est pas que tout change, c'est que tout change de plus en plus vite.
Et ça, c'est vrai d'un point de vue géopolitique, comme d'un point de vue technologique, économique ou écologique, et tous ces points sont liés de plus en plus les uns avec les autres. La moitié des jeunes d'aujourd'hui feront en 2040, c'est-à-dire demain, un métier qui aujourd'hui n'existe pas encore. C'est ça l'accélération du changement. Mais pour aller où ? C'est ça la question du sens. Pourquoi ce titre « Changer pour grandir » ? Ben, le problème, c'est que tout change toujours, mais que personne n'a envie de changer. Ce qu'on appelle la résistance au changement. Depuis 10 ans, l'innovation sociale est mise à l'honneur en région Bourgogne-Franche-Comté grâce au projet Rallinov. Cette démarche peut être perçue au départ, ou elle était peut-être perçue comme utopique, et elle se révèle aujourd'hui toute bénéfique pour les entreprises. Les salariés sont en quête de sens, on le vit aujourd'hui, de vie au travail différente. C'est même un phénomène mondial qu'on peut constater. Le New York Times titrait il y a quelque temps « La grande démission ». Alors aujourd'hui, est-ce que la réponse, c'est de mettre des happiness managers dans les entreprises ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait bien d'autres solutions cet après-midi. L'innovation sociale est une réponse au travers de ses dimensions politiques, sociétales et environnementales et économiques. C'est aussi un facteur d'attractivité, on en a parlé, pour les entreprises innovantes de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui m'a frappé, ça a été évoqué dans l'après-midi, c'est que bah, finalement, ce qu'on vivait il y a 10 ans, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec des problématiques qui demeurent. On a parlé de confiance, de reconnaissance, de motivation. C'était des choses qui étaient au cœur des projets d'il y a 10 ans. C'est aussi des choses qui sont au cœur des projets d'aujourd'hui. Donc, les innovations sociales, l'innovation sociale, ça peut, on l'a vu également, répondre à des enjeux de fidélisation des salariés, alors que ce soit dans l'économie dite classique ou traditionnelle, dans l'économie sociale et solidaire, et pourquoi pas dans l'administration. La fidélisation, c'est aussi garder ses salariés, les motiver. On en a parlé dans cette fin d'après-midi, c'était extrêmement intéressant. Et c'est aussi, en gardant ses salariés, de répondre d'une autre manière aux problématiques de tension, de difficultés de recrutement, de métiers en tension. Parce que si on ne laisse pas partir son personnel, ça nous évite d'avoir à le remplacer. Les défis de l'innovation sociale, c'est une journée de travail collaboratif pour identifier des solutions originales et innovantes aux problématiques sociales et environnementales que rencontrent les entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'idée est vraiment de faire participer le plus grand nombre, quel que soit son profil, pour favoriser la créativité. Donc sont donc conviés les dirigeants, les salariés, les retraités, les consultants, les partenaires, enfin les étudiants également, toute personne qui a envie d'échanger ou de s'investir autour de ces sujets. Cet événement sera également l'occasion pour les participants de nouer de nouveaux partenariats.